Alors, petite démonstration d'harmonica. C'est parce que j'ai c'est bon, ouais. Oui. J'ai appris quand j'étais plus jeune, j'avais un harmonica plutôt pas en diatonique, mais un peu dans ce style. Ah. Ok. Donc, Patricia le connaît aussi, celui-là, je crois. Hein. Il me semble que Donc Patricia. c'est un truc, hein, c'est un peu vibrato, ça permet de jouer pas mal de chansons, mais par contre ça ne permet pas du tout de jouer les sons transformés, enfin, parce Oui, que les opérations. voilà. Chose que je n'arrive de toute façon pas à faire avec cela non plus. Ça va Bon, venir. ni un ou deux sons. Ben voilà, ça va venir, ça va venir. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai Alors que que. je ne fais que du note par note. Okay. Mais c'est vrai que le trémolo ou l'instrument écho, ce n'est pas que ce soit difficile de faire des altérations, c'est qu'effectivement, il n'est pas fait pour. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors que les autres, ils sont, on peut Voilà. J'arrive à faire une ou deux altérations, mais pas plus. Après, j'ai aussi un chromatique, bah, que je ne vais pas te montrer parce que je l'ai démonté. Et puis, du coup, j'ai des petites vis qui sont tombées que j'ai du mal à remettre, tellement c'est minuscule. Ah oui, bah oui, mais c'est l'harmonica, c'est un instrument d'horloger. Hein. Tu sais que c'était conçu par des horlogers à la base, quoi. Donc, Je parfois. voulais le nettoyer parce que je l'ai depuis bientôt 30 ans. Donc, Ah oui. Oui, il serait temps de le nettoyer. il était temps de le nettoyer. Ok, bah, merci de ton retour, Thibault. Merci.